Dams & Company. Équipage, bonjour, bienvenue pour ce 12e épisode sur le Vegetapolis Zoo. Aujourd'hui, on va faire la troisième et dernière partie du bunker. On va faire le vivarium des paresseux, le restaurant et la zone backstage. Je vous retrouve en fin d'épisode pour la visite. Je vous souhaite un bon visionnage.
nous nous retrouvons après l'accéléré où j'ai construit la troisième et dernière partie du bunker. Ici nous sommes dans l'escalier qui descend à celui-ci. Et quand on descend, on arrive ici directement avec le nom Le Bunker que j'ai rajouté en off, éclairé en rouge. Ici on peut voir la jardinière qui a été placée. J'ai aussi rajouté une deuxième poutre ici pour bien soutenir les plafonniers car j'en avais mis qu'un seul dans l'accéléré. Et d'ici au-dessus on peut voir tout ce qui se passe en bas, on peut voir le vivarium ici. Et un petit peu ici on voit la cascade, on voit un petit peu la végétation. Ici on voit le cerisier, on voit un petit peu la décoration qui a été faite. Et ici on a le premier niveau du bunker. Puis on descend, on arrive au niveau 2 lorsqu'il y a l'hôtel. Hop. Une petite visite comme on arrive à la dernière partie. Hop là. Et puis on descend ici et on arrive au niveau 3 avec l'horloge que j'ai placée. Et j'ai fait des petites décorations en bois pour casser un petit peu ce qui est en béton. On voit toujours qu'il y a du béton, mais je l'ai un petit peu cassé, ce que j'aime bien. Ici, on peut voir les cuisines et le restaurant. J'ai rajouté un arbre en pot. Et ici, on peut observer les paresseux. Avec le nom Le Bunker au-dessus, qu'on voit par le plafond vitré. Voyons, on en voit un là. Et un suspendu ici. Et ici, on a un petit endroit pour le staff, donc j'ai rajouté des caisses, des palettes. Ici, on a des tonneaux renversés. Ah, j'ai oublié de rajouter quelque chose. Lors de la construction, on va aller dans décor, tâches. On va rajouter une tâche ici, comme si le truc avait coulé. Hop, on va lui mettre quelle couleur? On va mettre... on va mettre une couleur un peu comme ça. Voilà. Genre on ne sait pas trop ce que c'est qui a coulé. Hop, comme ça, c'est rajouté et je l'oublie pas. Donc voilà, avec des barils, un baril qui a coulé, une caisse. Et ici on a une fresque avec les paresseux que je trouve assez jolie. Donc on a les petits V qui sont des oiseaux, après on voit les paresseux sur des branches. Et le soleil qui sourit, j'aime beaucoup cette fresque. Là on a le resto, on a toujours des bancs pour s'asseoir. Et alors on a une jolie vue ici. D'ailleurs il faudra que je centre un peu mieux les lustres. On va aussi aller voir la partie backstage qui a été faite. Donc on a une cabane de soigneurs et une salle de pause. Et tous les outillages qu'il faut pour s'occuper des paresseux. Et les soigneurs peuvent rentrer par ici. Et alors on a une jolie petite vue. Hop. Voilà, avec la petite cascade. Hop. On repasse par là, on va aller voir le restaurant. Ici aussi on a une jolie vue. Je suis assez content du résultat. Bon. Alors, les visiteurs vont passer par ici, et après, hop, ils rentrent par ici, où on a des tables rouges. Alors, j'ai mis ici ce mur rouge uni, parce que, bon, l'endroit le plus à regarder, c'est ici, hein. C'est pas le mur là. Et dans le fond, j'ai rajouté un papier peint avec des feuilles, et encore un arbre avec un buisson. Et on a aussi la cuisine juste ici, avec juste... Ah, ils sont pas bien placés, faudra que je regarde pour les replacer correctement, avec juste des ampoules ici. Et donc, voilà. En tout cas, assez fier du résultat de ce bunker, je trouve qu'il donne super bien. Il y a encore 2-3 petits trucs à manier pour le prochain épisode. Donc voilà, dans le prochain épisode, je vais me rendre à l'endroit où est-ce qu'on va construire. Hop, on remonte tout le bunker. Et dans le prochain épisode, on va s'attaquer à l'endroit ici. Donc on va prendre un petit peu de hauteur. Donc on peut voir que le bunker est bien caché, hein. Des airs, on ne le voit pas. On voit juste le diner, donc on va s'occuper à cette zone, vous voyez, toute cette zone ça va être une ancienne patinoire qui va abriter les manchots royaux, ça va être aussi en plusieurs parties, je crois que je la ferai en quelques parties, à voir combien, parce que ce sera quand même un assez grand bâtiment à aménager, comme le bunker, donc voilà. Donc voilà pour cet épisode, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, salut tout le monde.